Et bienvenue pour une fois encore sur ma chaîne Cuisine Patisse. Aujourd'hui, je vais vous réaliser du bon dégueu au raisin. Si vous avez une pièce chaude, un climat propice, vous pouvez réaliser votre yaourt dans une casserole. Ensuite, 150 g de lait concentré sucré, 1 litre de lait entier, 100 g de raisin séché, 3 cuillères à soupe de lait en poudre, un pot de yaourt nature, 100 g de sucre en poudre, de la vanille concentrée et enfin 250 g de grains de mil déshydratés, bien déshydratés dans de l'eau chaude. La quantité de sucre, c'est à votre convenance. Je commence par faire tiédir mon lait entier. Une fois le lait en train de tiédir, je renverse mon pot de yaourt dans le petit bol. Je mets le sucre. J'ajoute la vanille, une crème de vanille bien parfumée, et de la vanille concentrée. Je mélange le tout, j'ajoute le lait en poudre. Là, j'ai ajouté 3 qui est à soupe de lait en poudre. Plus vous rajoutez du lait en poudre, plus vous avez du yaourt bien onctueux, bien lourd. Bien mélangé surtout. Le lait bien tiède, je renverse une petite quantité que je vais bien mélanger. Le reste, le lait, je renverse dans le grand bol. Une fois bien mélangé, je remets le tout. Mélangez surtout bien. Une fois bien mélangé, je vais remplir les 7 petits pots. Après 9 heures du temps, la yaourtière s'arrête automatiquement. Laissez bien refroidir et disposez vos yaourts dans un réfrigérateur 4 heures avant l'utilisation. Voici le résultat. Très ferme. Vous voyez? Bien onctueux. Je vais renverser les contenus dans un bol. Vous voyez comment c'est bien lourd, bien onctueux. Ensuite, je rajoute mon lait concentré sucré. Je mélange bien. Ça sent très bon. J'ai abusé avec la vanille. Ça sent très 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 bon. Après le lait concentré sucré, les grains de mil. Et les raisins. Les raisins secs.
n'avez pas du tout aimé. J'espère que vous avez aimé ma recette. Likez, partagez massivement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes recettes. Au revoir.